Voilà, retour sur le plateau. Erreville, c'est là-bas à droite. Le batterie de Nolon, c'est droit devant. Marseille, à gauche. Bon, et au lieu d'y aller par la piste, à la batterie de Nolon, on va prendre les crêtes. Et là, oui, c'est plus enduro que la piste. Bon, ça commence par une montée, là, quand même. Bien plus facile en électrique. Il est assez caillouteux quand même, hein, ce chemin des crêtes. Et bien plus rigolo que la piste. La descente derrière ce petit monticule là, derrière c'est pas mal. Voilà, on est bien sur les crêtes et là on a une belle vue sur le fort de Nolon. Et là, c'est compliqué un peu. À droite, à gauche, c'est pareil. Ah, il y a des gens devant. Je vais laisser passer. Voilà, je viens de les quitter. Voilà. Là, il y a la bavette. C'est là qu'il y a un point délicat. Le caillou, il sent pas. Pas top là, et le passage mauvais, il est là. Heureusement que c'est couvert, mais il pleut pas, parce que s'il pleut là, il ne descend pas. Ben, si je descends, mais, je ne sais pas comment. Sur l'eau. En fait, Marseille à gauche là, hein. J'ai pas. C'est un peu bête de venir ici et de pas vous montrer ça. Là, il y a un grand vide en dessous. Marseille, tout là-bas au fond. C'est plutôt l'Estac, ça d'ailleurs. Merde. Voilà, je voulais aller. Je voulais aller là pour pouvoir monter là. Le fort. Et lui, le Capra. C'est mieux monté que prévu, hein. À part la remontée de l'Erreville. Et donc le fort. Au départ, je me demandais s'il y avait un chemin pour faire le tour. Et puis, il y en a qui ont posté des vidéos avec un drone qui faisait le tour, justement. Et je vois qu'à droite, ça s'arrête à l'angle là-bas derrière. Et après, c'est falaise. On ne peut pas faire le tour. Et là, c'est Marseille. À ras du mur, de doigt à gauche, Notre-Dame. Tout au fond.
la Sainte-Victoire, droit devant, tout au fond aussi, dans les nuages un peu. Moi, je vais descendre dans le vallon qui est derrière ce petit fortin là, et remonter là-bas au fond, jusqu'au pied de la falaise. Je vais t'allumer parce qu'il y a une jolie vue après quand j'ai pris le virage là. Wow. Putain, il va pas se tromper les freins. Voilà la vue sur le château d'If, les îles, le Frioul, les calanques là-bas. On les devine là-bas au fond derrière. Il y a plein de jolies petites criques dans le coin. Mais bon, c'est accessible à pied seulement. Hein.